est né du constat de la précarité menstruelle. C'est vrai que de nos jours, hélas, il y a beaucoup de femmes encore qui ont du mal à s'acheter des serviettes périodiques. Donc c'est vrai qu'on aurait pu partir sur un kit d'hygiène, mais en fin de compte, on a voulu aller beaucoup plus loin. Et nous avons décidé de proposer une box beauté qui va être là pour se faire plaisir et aussi prendre soin de soi. C'est vrai que nous voulons rendre, à travers cette box, la beauté et le bien-être accessibles à tout le monde, avec des produits de qualité bio et éco-responsables. Cette box s'appelle Marianne. C'est vrai que Marianne représente la femme, la liberté, la dignité et aussi que chacune d'entre nous soit unique. Je remercie vivement les partenaires que nous avons rencontrés. Donc il y avait Monsieur Lecor du Centre Leclerc de Kergaradec à Gouesnou, Monsieur Bouffard du U-Express à Gouesnou aussi, Laure Coiffure de Gouesnou, Clémentine de Partout avec toi, Tiphaine de Far West Sérigraphie et aussi je remercie Nature et Découverte de Brest. Un petit clin d'œil aussi à Raphaël Portefeuille et Audrey Toutous. C'est vrai que nous avons tous les trois pris beaucoup de plaisir à ce que cette box se voit le jour. Cette box est vraiment une porte d'entrée à la féminité et à la confiance en soi. Donc je dédicace Marianne à toutes les femmes. J'ai trouvé ça tout à fait normal que notre magasin, faisant partie de la commune de Gouesnou, participe à cette action. Nous avons réussi à récolter des échantillons en quantité parfois assez importante. Pour moi, le local, c'est quelque chose de très important. Donc un projet pour Gouesnou, pour des personnes de Gouesnou, en partenariat avec la mairie, je ne pouvais pas refuser. Et cette approche sociale me parle. Elles ont choisi des lingettes pour le visage et des sachets en dentelle pour y intégrer les produits qu'elles avaient récupérés. Tout ce que je fabrique, c'est à partir de textiles récupérés. Donc c'est vraiment du zéro déchet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette petite boîte pour les femmes. Donc on s'est engagé dans ce projet parce que c'est un projet qui nous parle. C'est vrai que ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Et c'est vrai que c'est des produits qui sont plutôt pas donnés en réalité. Les bénéficiaires pourront s'en servir pour éventuellement se relancer et chacun a droit à sa part de féminité. On a voulu participer à ce projet parce que ça représente aussi la sérigraphie. Donc nous on s'est occupé de la décoration sur la boîte Box Marianne. C'est un très très beau projet déjà d'une part. Donc si on peut mettre la sérigraphie en avant, de la méthode d'impression en avant, voilà, ça fait une authenticité globale. Nous avons fait des dons sur des shampoings, des masques pour soigner le cuir chevelu sensible, les psoriasis, sur les cheveux colorés, les cheveux secs. Avec la gamme système professionnel de chez Vella, j'en avais parlé à mon BRP qui était complètement d'accord de m'en donner encore plus, même s'il y avait besoin. J'ai trouvé l'idée super sympa d'aider les gens vu la conjoncture actuelle.